Before by Rebecca, nouvelle émission, deuxième vendredi du mois d'octobre, neuvième mois de l'année déjà. On commence déjà à parler de fêtes de fin d'année, du mois de décembre, de Noël et tout ça, mais il nous reste quelques vendredis à passer ensemble. Quelques invités encore à découvrir dans cette émission. L'émission est à voir dès 20h20 ce vendredi soir et tout le week-end. Vous saurez qui est ma nouvelle invitée. Oui, une nouvelle invitée. Je sais que vous aimez quand ce sont des femmes qui sont assises en face de moi dans le beau fauteuil orange de ce plateau de Before by Rebecca. Dans cette nouvelle émission, on ne laissera pas place à la procrastination. Je sais que ça fait sourire déjà. La jolie jeune dame qui est assise juste là, je reçois une badass. Alors, on ne savait pas trop quoi mettre sur le synthé, si c'était chanteuse ou bien coach, mais je vais dire une chanteuse coach. Justement, on va faire une première pause clip dédiée en plus aux femmes, mais quoique, on en parlera, on verra qu'il n'y a pas que les femmes qui soient concernées. Nous sommes en plein dans le mois d'Octobre Rose. Première pause clip et premier juré, je vous présente ma nouvelle invitée dans Before by Rebecca. C'était de dire, et bien justement, du coup, vont-ils deviner qui est présente sur le plateau de Before by Rebecca en ce vendredi 14 octobre? Alors, justement, laquelle parmi ces jolies jeunes demoiselles, ces jolies chanteuses, Baronne, Dina, j'ai cru apercevoir Estelle, j'en oublie une, et j'en oublie deux, mais en tout cas, parmi les deux que j'oublie, parce que de mémoire, voilà.
Je tiens à saluer, à féliciter, à accueillir mademoiselle Etisha dans Before Me Rebecca. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit féliciter. Peut-être parce que, en fait, effectivement, hein, on aime les engagements. Oui. Voilà, quand une personne a ce rôle à jouer, ouais, finalement, c'est sûr. On aime les engagements. Et puis là, nous sommes en plein dans le mois d'Octobre Rose. On parle de cancer du sein, on parle de dépistage, on parle de prévention. D'une maladie qui tue beaucoup de nos, on va dire, compatriotes, de beaucoup de femmes dans le monde. Ouais. Et aux Antilles, nous avons perdu beaucoup d'amis, de proches. Et quand je lançais le clip, justement, je disais, bon, ben, en fait, finalement, ce n'est pas qu'une maladie pour les femmes, parce qu'on a les détecté aussi que ouais, les hommes aussi peuvent avoir cette maladie, ce cancer du sein, ce fameux crabe qu'on déteste tant. C'est clair. Etisha, bonsoir. Bonsoir, Rebecca. On se met dans le bain. Non, on rigole déjà. On est là. Comment vas-tu déjà cette fin de semaine? Ça va, fin de semaine, ça veut dire qu'on décompresse. Je suis sur un super plateau, ouais, donc bravo d'ailleurs hein, pour des corps et mon tout. Salon. Merci. Voilà. J'espère que justement que le fauteuil orange est confortable. Oui, ouais, oui, très confortable, ça va, ça va. Alors, cette fin de semaine? Mais écoute, fin de semaine très bien, ouais, là, le week-end démarre. Avec une interview avec toi, alors on fait demander de mieux. Comment ne pas passer un bon week-end pour comment clair, ne pas commencer un bon week-end. Etisha, alors justement, je disais, sur le synthé, discussion avec le réalisateur, Rebecca, que dois-je mettre? Chanteuse, coach, finalement, que devient Etisha? Ben, que devient Élodie Poirier? Parce que j'aime bien me donner les vraies identités, ça permet de resituer un peu ouais, l'invité. Oui. Que devient Etisha? Que devient Élodie Poirier? Plein justement, de choses, plein de choses. Ben déjà, artiste, dans ouais, un premier temps, mm-hmm, hein, ça continue. Ouais. J'ai des projets qui sont en préparation. En préparation. Voilà, je n'hésiterai pas justement à vous prie, en faire part, bien sûr. et bien sûr, ben, en tant qu'individu, mm-hmm, ben, je suis aussi coach en développement personnel et spécifiquement coach de vie. Donc, j'accompagne les personnes qui sont en transition de vie. D'accord. Et principalement les leaders qui s'ignorent, qui ne s'assument pas à pouvoir prendre leur place de leader, tu vois déjà. La posture est différente, prendre leur place de leader et s'assumer pleinement. Je crois qu'on va se faire un petit coaching privé justement pendant cette heure d'interview. Avec Etisha, plaisir. Artiste, on a ouvert l'émission justement avec un titre fort. On va dire que c'est pour toi ta dernière actualité en date. Oui, ouais, Destinée. Tu as été contactée bien sûr par l'association Séverine. Oui. On salue justement Andy Belair. Oui. Salut Andy. Salut Andy. On salue toutes les jeunes filles justement qui ont participé qui sont à ce clip. Sur les alors je disais Dina. Il y a Dina, il y a Baronne. Estelle. Je disais que j'en avais oublié deux. Il y a Kelly qui fait les chœurs aussi. Kelly Desfontaines. Desfontaines aussi. D'accord. Qui fait. Bah, écoute, il y a Dina, Estelle, Baronne, mm-hmm, et moi. Ouais. Et Elsa. Elsa. Aussi, qui, voilà, est dans, qui est dans la figuration du clip. D'accord. Voilà. Ce titre, ouais, au-delà d'être aujourd'hui diffusé sur les ondes, puisque le clip est sorti, le titre est sorti, mm-hmm, mm-hmm, c'est pour une cause. Mm-hmm. Dis-moi, quand on te contacte, déjà pourquoi tu dis oui? Je dis oui tout de suite. Je dis oui tout de suite, sans hésitation, parce que moi j'ai perdu ma grand-mère d'un cancer du sein, donc ouais, ensuite qui s'est généralisé. Mm-hmm. Donc j'ai vu, en fait, j'ai vécu. En tant que famille, hein, ce que ça a fait. Mmh. J'ai également perdu une tante il y a 2 ans ou 3 ans de ça, mmh, à cause du cancer. Donc, c'est vrai que ce titre-là, ce n'est pas spécialement que pour le cancer du sein. On parle vraiment de tous les cancers en général. Mmh. Et le message qu'a voulu faire passer Andy, qui est celui qui a écrit le titre. Andy Belair. Andy Belair, c'est écouter votre corps avant tout. Ouais. Parce que nous, qu'à fond, paquet de bita. Exactement. Mais de temps en temps, on ne prend pas le temps suffisamment d'écouter notre corps, en fait. Et le corps envoie des signaux. Il envoie beaucoup de signaux avant d'arriver, justement, à là. Et donc, le message principal de ce titre-là, c'est ça. Alors, on rappelle justement que l'association Séverine a été créée justement suite au décès de Séverine oui, Belair, qui était connue dans le milieu magnifique musical, qui était magnifique, choriste et qui accompagnait énormément d'artistes antillo-guyanais, ouais, surtout en Guadeloupe. Dès qu'on avait besoin d'une choriste, il y avait son binôme aussi, Sandra Jean-Charles. J'en parle avec super des frissons parce que je revois gentil le sourire de Séverine. Ah, ouais. Et suite ouais à ce décès, parce que le décès a été brutal, ça a été rapide, effectivement, son mari, depuis, sollicite les anciens collègues. Je dis ancien parce que Séverine est partie de son
épouse et régulièrement il nous sollicite. Je dis nous parce qu'effectivement j'ai participé au précédent single pour chanter en mémoire de Séverine, mais aussi dédié à toutes ces femmes qui souffrent encore malheureusement, puisque effectivement dans la vie il y a les bons moments et les mauvais mauvais moments comme ça. Mais on évite, donc on fait de la prévention. Exactement. Voilà, pour nous pas arriver là. Donc je te laisse repartager ce message. De prévention, d'espoir, de partage. Oui, toujours, toujours. C'est le message principal. S'il ne faut retenir qu'une seule chose, c'est écouter son corps. Les olas, à effet en sieste. C'est vraiment ça. Mmh. C'est vraiment prendre le temps pour soi, ne pas se fatiguer le cerveau non plus, à trop réfléchir, à se mettre du stress, etc. La vie, elle est faite pour être vécue. Ouais. Et puis, des fois, il y a des choses, il y a des factures à payer, il y a des choses à faire, etc. Mais laisse tomber. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est fini. Mais oui, voilà, la vie n'est pas un long... Non, ça qui dit ça, non, c'est faux. Tu vois, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est clair, c'est clair et net. Mais on n'a qu'une vie, en fait. On rappelle le titre de ce clip, Destiné, à voir, sur Internet, à télécharger, sur toutes les plateformes. Les gars, streamer, et puis soutenez aussi nos artistes, parce qu'au-delà des causes qu'ils défendent, ils ont aussi une actualité musicale. D'ailleurs, on verra tout au long de cette émission quelques clips de la carrière de Tisha. Tisha, qu'on a pu découvrir il y a quelques années. Alors en ce moment, elle est plus sur le coaching, elle est plus sur l'entraide entre femmes, on va dire, le soutien. Oui, mais c'est important, pour moi, de laisser aussi ma trace à travers autre chose. C'est-à-dire que la musique, c'est bien, mais moi, ce que j'ai voulu faire à travers le coaching aussi, c'est transmettre ce que j'ai appris, parce que j'ai été balancée sur scène. Ouais. C'est que tu connais, hein? La fosse au lion, tu connais, hein? Je connais la fosse au lion. Tu connais, tu vois. Dans un monde d'hommes, finalement, en plus. Sur un monde d'hommes, etc. Appareil dentaire, petite femme très timide et tout. Et donc, du coup, j'ai appris. J'ai appris sur le tas, en fait. Et de ces expériences-là, aujourd'hui, je coach des personnes qui sont timides, qui disent être timides. Je suis timide, par exemple. Moi aussi. Qui disent être timides, justement, à pouvoir s'épanouir, prendre leur place et briller. C'est vraiment Il me semble avoir lu sur ton compte Instagram, puisque aujourd'hui, c'est l'ère d'Instagram. Ouais. Sur les réseaux sociaux, on est dans une ère d'influenceuse. J'ai cru lire Extrouillarde, qui se prend en main. Voilà, Extrouillarde. Mais Rebecca... Parlons bien. Quand on me demandait d'aller chanter pour la famille, rien que la famille, par exemple, c'était pas possible. J'avais du mal. J'avais vraiment du mal. Ouais. Et mon père me poussait. Mais oui, vas-y, vas-y, etc. Et puis, il a commencé à m'inscrire dans des concours de chant et tout ça. Les concours de chant, je le faisais parce que j'aime mon père, Mais c'était qu'à moi, ça ne tenait qu'à moi. À chanter sous la douche. Je serais restée sous ma douche, tu vois. Et puis, au fur et à mesure, forcément, le talent se dévoile, etc. Et aujourd'hui, extrouillarde, parce que j'ai eu vraiment, vraiment très peur quand je l'ai fait. Pendant pendant longtemps. Mais chaque femme. Fois C'est la petite Élodie, c'est la grande Tisha aujourd'hui. Non. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai le trac. Je te mets au pari de demander à tous les artistes qui passent là sur le plateau s'ils n'ont pas le track avant de monter sur scène. Mais je te signale qu'avant de commencer à Before by Rebecca, j'ai toujours le track. Tout le monde, voilà, parce que le public est différent, les gens qui regardent la télé sont différents. Et puis on se dit toujours, mais que va-t-on penser de moi? C'est ça. Est-ce que, c'est détaché de les ça. Les spectateurs vont aimer ma coupe de cheveux, mon maquillage, mes boucles d'oreilles, mes ongles, les talons, la robe. Ah oui. Et puis finalement, on fait ce qu'on aime, on est passionné, puis on y va, et puis advienne que pourra, et puis on se dit après tout, vive la bienveillance et puis la malveillance, on s'en soucie peu. On fait ça. J'ai cru que tu allais me faire un truc un peu plus vulgaire. Non, on fait ça. On balance derrière les doigts. J'ai commencé l'émission et là je savais que ça allait te faire sourire, mais parce que c'est une vidéo que j'ai vue aussi encore sur les réseaux sociaux. Je disais dans cette émission pendant une heure, pas de place à la procrastination. T'as vu, je me suis dit, j'y suis arrivée. La procrastination. J'ai relu le mot 10 fois, je me dis, est-ce que je vais arriver à balbutier ce mot? Oui, je l'ai dit. Ouais, challenge. Challenge. Ouais, grosse procrastinatrice professionnelle. Yes. Et je me débarrasse de ça parce que c'est pas parce que je suis coach que ça veut dire que je suis pas vulnérable non plus, tu vois. Aujourd'hui, en fait, je fais un challenge qui s'appelle Bye
à la procrastination. Wow. Et ce challenge-là, c'est un challenge qui dure 7 jours. Mm-hmm. Et tous les jours, en fait, je donne des actions. Donc, je l'ai fait sur Instagram, mm-hmm. notamment. Et je donne des actions pour pouvoir sortir de ça, en fait. Parce que la procrastination, on pense que c'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. Mais en fait, c'est parce que la motivation intérieurement, on ouais. n'a pas mis le point on sur ce qui nous fait vraiment vibrer, mm-hmm. en fait. Si tu trouves ton intérêt sur la tâche, tu vas la faire. Okay. Mais si tu vois que c'est trop contraignant ouais. et tu n'as pas le plaisir tout de suite, mm-hmm. tu moi, vas dire, dire ah, mon ouais, seul on plaisir, a la télé. Moi, c'est d'être arrivé à vendredi soir et de présenter Before by Rebecca. Eh ben voilà, et tu n'as pas procrastiné. Hein? Ouais, oui, parce qu'il faut préparer l'émission avant que mon invité soit en plateau. Ouais. Tisha, dans Before by Rebecca, je vous rappelle que l'émission est diffusée en exclusivité tout ce week-end, dès ce vendredi-là. Nous y sommes, 14 octobre, 20h20. Deuxième diffusion le vendredi à 12h30. On verra après pour les diffusions du week-end, du samedi et du dimanche, parce que vous aurez à voir cette émission, à revoir et à bien écouter les conseils de mon invité Tisha. On va se faire une deuxième pause musicale. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre on va aller. J'ai suivi les recommandations de Tisha. En tout cas, je vous laisse apprécier cette deuxième pause musicale et puis on revient en plateau. Ne commence pas. Dis que ce n'est pas comme ça que tu trouveras un prétendancier. Chacun fait 3 ans célibataire. Ou pas qu'à tout répondre au magoua. Ou toujours aigri ou toujours collé. Yo peux pas même pas les bas. Tout le temps, yo dit ou calmé. Tout le temps, yo dit ou changé. Ou pas qu'à ton aïe, non, non. C'est vieux chabine ou café. Alors, c'est assez marrant de revoir ce clip parce que je me souviens exactement de la période lors de laquelle il est sorti et je me suis dit, la jeune demoiselle met juste le point là où ça fait mal. Voilà. Parce que vous aurez vu hein, le titre du clip, célibataire, les paroles si vous écoutez bien, parce qu'il faut toujours écouter les paroles des chansons en fait, parce que finalement, il y a toujours un message qui est lancé et on se rend toujours compte que ça s'associe à notre propre vécu.
Et je me suis dit, mais je me revois, moi, avec les proches, maman, tati, les sœurs, les cousines, tout ça. Et à demander, bah, alors Rebecca, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une aussi belle jeune dame que toi? Comment ça se fait que tu sois encore célibataire? Comme ça, célibataire toujours. je déparle, célibataire. Que tu sois encore célibataire. Et je me souviens de t'avoir justement contacté à l'époque en te disant merci pour ce message, parce qu'effectivement, oui, on en a marre. On parle là à la famille, là je m'adresse à la famille. On en a marre que vous soyez là à juger justement notre vie sentimentale, voilà, même si ça fait partie de la vie et qu'effectivement ça fait toujours bien de dire je suis mariée avec deux enfants, mmh, avec une grande maison, avec piscine et le petit chien et la grosse voiture. Mais laissez-nous vivre notre célibat. Voilà, c'est dit dans Before by Rebecca. Célibataire. Quelle année? 2015. Ouais, mais ouais, je l'ai écrit, c'était en 2022 ans, j'avais 2012 que je l'ai écrit. Ça c'est marrant quand même, 22 ans, tu te poses déjà des questions aussi existentielles? Oui, ouais. Oui, sincèrement oui. Quand tu te voyais justement, toi, ta robe de princesse à 18 ans et être mariée aussitôt majeure? Non, du tout pas. Pas du tout. Mais disons que ça pesait, parce que quand ça fait un moment que tu es célibataire, tu te dis, bon, j'ai un problème, c'est impossible. Oui, mais quand tu dis un moment, tu avais 22 ans. Oui, mais attends, à chaque fois que je voulais sortir, toutes mes potes étaient casées. Étaient déjà casées, ouais. Donc moi, je me disais, mais c'est pas possible, je trouve personne. Ou alors, la vérité, c'est que j'avais des flirts. Hein. J'ai cru célibataire, j'avais des flirts, mais c'était rien de sérieux. Et à un moment, tu te dis, quel schéma que je suis en train de reproduire? Parce qu'au final, j'ai l'impression de refaire à chaque fois les mêmes erreurs, de tomber sur le même type d'homme et de me dire, mais il n'y a pas d'homme qui me... Je le redis, je trouve que quand même, pour se poser ce genre de questions, tu étais 22 jeune. 22 ans, ouais, j'avais déjà. En fait, disons que j'avais l'inspiration sur ça. On se pose ces questions-là à mon âge, après 50 ans. Oui, mais disons que j'avais l'inspiration. Et heureusement, hein, t'as fait un tubo au final. Mais disons que, c'était un peu pesant. C'était un peu pesant. T'as envie de te confier des fois à quelqu'un, tu vois. Justement, 2015, on est à quelle période de ta carrière? On est sur quel album, sur quel EP? Je sais qu'en général, il n'y a plus trop d'albums, c'est des EP. C'était, Célibataire est sorti, je crois, un an avant l'album. Ouais. L'Amour pour vivre. Et quand Célibataire est sorti, donc le clip qu'on vient de voir tout à l'heure, j'étais à la Barbade en fait. D'accord. J'étais même pas là. D'accord. Et je me rappelle que l'accueil en fait que les gens ont réservé au clip, ont réservé au titre était ouf. Et j'avais la possibilité d'écouter la radio. Depuis la Barbade, par internet, et Célibataire était numéro 1. Je me souviens que ça, c'était pendant très diffusé. Des semaines. Ah ouais. Et que je pense qu'on a tout de suite accroché sur le clip, alors que tu me disais justement en antenne. Alors, vous voyez des images alors qu'elles ont été tournées dans des lieux un peu insolites. Alors, on reconnaît bien la rivière, on reconnaît bien la place de la Victoire pour la Bite. Mais en début de clip, parce qu'en fait, c'est un peu magique, c'est un peu comme sur ce plateau de Before by Rebecca. Avec un fond vert, on peut tout faire. Exactement. On peut vous mettre le décor qu'on le veut, et en fait, tu es en plein. Dans le cinéma Rex. Il n'y avait pas de fond vert. Voilà. Là, c'était vraiment. Ben, on était en plein cinéma Rex. Ouais. Et en fait, ben, on a eu l'idée de pouvoir tourner sur la petite plateforme, en fait, juste devant l'écran, pour vraiment avoir cette espèce de nuage, d'effet nuage partout. Okay. Et c'était l'idée de Zando, que je t'ai lu. Zandoli, oui. Très beau clip. Voilà. Et de mon équipe de l'époque, Step Art, avec Laurence Welch, à qui je fais un gros bisou, qui était mon manager à l'époque. Et Laurence qui a longtemps travaillé dans le cinéma, justement. Laurence qui a travaillé, qui travaille toujours. Toujours dans le cinéma, voilà, au ciné. Et puis, ils ont eu cette idée. Et puis, voilà, ça... Mais j'aime travailler avec des gens qui sont aussi fous que moi, en fait. Ouais. Tu vois, on a une idée, on s'est dit, on va faire un clip. Parce que la folie, c'est relatif. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien ma petite folie. Et on va faire un clip, on s'est dit, on va faire un clip, on va mettre un lit quelque part. Et puis là, les idées ont fusé. On s'est dit, bon, vous savez quoi, on va le mettre sur la place de la Victoire. Et on a eu les autorisations. Et à chaque fois que j'ai fait un clip, ça a été toujours dans une optique d'avoir quelque chose d'original et quelque chose de... Voilà. On est en plein dans la création, on est en plein dans l'art. Ah, j'adore ça. Tu te souviens justement, si tu me parles de 2015, tu es en préparation d'un album. Oui. Tu te souviens un peu de ce qu'il y avait comme musique à l'époque, que tu écoutais aussi, à part écouter ta chanson et ta musique. Quel artiste avec qui étais-tu en concurrence?
Panique concurrence. Panique concurrence. Mais j'aime non. Ça. Ni, mais peut-être ni nous ça qui a compris. Amis. Que yo en concurrence avec moi. Mais moi pas concurrent, en pas en concurrence avec Pont Moon. Ah ça c'est clair et net. Parce qu'on le dit souvent. Alors, c'est vrai que souvent les personnes qui suivent Before by Rebecca me demandent de plus en plus de femmes. Mm. Mais c'est vrai que quand je fais plouf plouf, des femmes dans l'univers de la musique antillaise, on le répète beaucoup. Encore. J'allais dire qu'il y en a peu. Eh bien, il y en a beaucoup. Mm-hmm. Il y en a beaucoup. Et c'est vrai que c'est un milieu où... Alors, moi, j'ai toujours dit ça. J'ai jamais compris pourquoi. Quand on arrive, par exemple, en backstage, tu as certaines artistes qui peuvent te regarder de haut en bas, te scruter et tout de suite rentrer dans une rivalité. Ouais. Sauf que les... Oui, mais c'est un milieu d'hommes, si tu arrives avec une robe plus belle que la leur, mais comment veux-tu que c'est les filles... C'est de ma faute. Comment si tu arrives avec tes talons rouges, mais comment veux-tu... Comment un sponsor, pas faute en moi, ça. Mais je veux te dire que c'est quelque chose qui... C'est toujours, j'ai toujours dit ça au manager qui m'accompagne. Mm. C'est quelque chose que j'ai jamais compris, en fait. Parce que face au public, on est tous... Pareil. Oui, et puis en plus, on sait que le public, une fois qu'il aime et une chanteuse aime pour une chanson, pour quelque chose de bien précis, qui a un feeling, finalement, les petites querelles mais de backstage, voilà. On s'en fout. Sauf que les gars entre hommes dans le milieu, même si un tel pas un tel, mais devant, y a comme ça, tu vois. Je souris. Mais, les, mais oui. Before by Rebecca, on est dans le on salon, voilà. Mais confie, c'est vrai que ça m'a toujours intriguée, en fait. Et disons que, bon, elles ne sont pas toutes comme ça, heureusement, hein, je dis bien heureusement, mais c'est vrai que pour moi, ben, je ne comprends pas pourquoi en tant que femme, il y a toujours, mais même hors artiste, hein, oui, rivalité, des plus rivaux côté, tout de suite, voilà, tu as une aura, que... tu dégages du charisme, mm-hmm. Tout de suite, c'est rivalité. Or, au final, si on était un peu plus comme ça, ce que tu dis. Ça aurait été beaucoup plus beau parce que notre cerveau réfléchit différemment, on peut avoir d'autres tactiques que les hommes, et les femmes qui s'allient, franchement... Ça peut être... Je rebondis sur deux mots. Aura et charisme. Oui, madame. Mm-hmm. Aura et charisme. D'accord. Aura et charisme, ce sont des choses que... L'aura, c'est énergétique. Mm-hmm. Le charisme, les gens pensent que le charisme ne s'acquiert pas. Il y a des gens qui ont du charisme naturel, mais tu peux gagner en charisme. Parce que moi, je n'étais pas charismatique comme je suis aujourd'hui. Et oui, je suis charismatique, elle a dit une fois. Je vais avec la petite mèche. Oui, voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie de la confiance en soi quand tu es alignée et que tu te sens bien ancrée, en fait, en face, peu importe qui est en face de toi, si tu es bien avec toi-même, t'as pas à... Voilà. Je vous ai dit hein, que je m'offre un petit coaching privé dans ce Before by Rebecca. Encore quelques minutes à passer avec Tisha. Non, mais je souris parce que moi, je te vois en tout cas évoluer avec bonheur. Et c'est vrai que tu as commencé ça l'émission en parlant de cet appareil dentaire. Hein, ah oui, ah oui. Que tu as gardé longtemps. Ah oui. Et cette chevelure un peu bouclée qui faisait un peu petite fille. Oui. Et puis, il a fallu un moment changer tout 2000, ça. J'ai coupé en 2018. À fond ou pas, allez, que j'ai coupé. Ouais. Faut nous parler. Mm-hmm. Tisha dans Before by Rebecca. On continue en musique. Hein. Je vous rappelle que vous pourrez suivre cette émission dès ce vendredi 14 octobre, 20h20 sur Éclair TV. Minuit 30 aussi, deuxième édition du vendredi. Après, je vous laisse hein, suivre un peu, nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez l'Instagram, bien sûr, de Before by Rebecca. Envoyez-nous vos messages, vos suggestions, vos commentaires. Savoir si vous avez apprécié ou pas l'émission que vous regardez. On se fait cette troisième pause musicale et on revient en plateau avec Tisha. Bye.
si bien. Alors ça, c'est la phrase qu'on adore, c'est « il faut qu'on parle ». Il faut qu'on parle, et justement, nous parlons avec Tisha dans Before by Rebecca en ce milieu de mois d'octobre, vendredi 14 octobre. C'est intéressant quand les échanges comme ça, assez spontanés, assez fluides, et qu'on se marre bien finalement aussi en antenne. Faut nous parler, elle nous parlait justement de cette transition où il a fallu justement couper les cheveux de petite fille, les cheveux bouclés. J'ai tout enlevé, il a fallu faire une coupe de femme. Et Tisha nous apparaît comme ça dans un clip, en musette, et là on s'est dit mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Tisha, il faut qu'on parle. Tisha, il faut qu'on parle. Faut nous parler. Alors, c'est une vraie transition pour toi. Déjà, tu t'affirmes un peu plus. Alors, de la petite gamine trouillarde qui a peur de chanter devant la famille, là, tout d'un coup, voilà, on ose. Ouais, expérience de vie. Mm-hmm. Expérience de vie, nouvel élan aussi. Ouais. Faut nous parler. C'est, ben déjà, c'est Staniski qui a composé le titre avec... Staniski que je salue. À qui on fait un gros, gros bisou, un gros coucou. Et puis, on s'appelle, hein. Surtout. Ouais, parce que justement, vous, si nous n'y a pas allé. Donc nous disions Staniski. Non, mais c'est important. Pas mettre aussi. Un baba, Rebecca. Non, mais pas du tout. En plus, c'est très, toujours bon de saluer des personnes comme ça qui finalement, aussi au-delà des artistes qui sont en avant, on a parlé dans l'émission précédente. Oui. Voilà, il compose pour beaucoup. Il est à l'origine de grands succès, aussi bien en zouk, en dancehall, qu'en tout cas dans cette musique caribéenne qu'on aime tant. Et puis c'est toujours bien parce qu'en plus, c'est nous voir évoluer après tant d'années. Parce que si je te dis que Staniski, je le connais depuis ses débuts et qu'il me connaît depuis mes débuts, on en est à 25 ans à peu près. Ah ouais, d'accord, j'étais déjà née. Faut nous parler. Faut nous parler, c'est Staniski, c'est Mr. Frankie aussi. Ouais. C'est un peu de Michel Salbo, je tiens à le dire aussi, parce que je fais un petit coucou à Michel. Bon, là, il n'est pas là. Lui, s'est permis de prendre l'avion pour aller voir, d'aller voir Karimi du côté de Bercy. Tu vois. Même moi, je rate ce grand événement. Bon, salut Michel Salbo, parce qu'en plus, c'est très bien que tu nommes Michel Salbo, parce que si je suis aujourd'hui assise sur ce plateau de Before America, j'en parle avec un peu de frisson. Une des personnes, justement, qui m'a donné cette chance de faire ce métier avec passion, c'est aussi Michel. C'est un passionné. Voilà. C'est un passionné. Il m'a dit, la première fois que je lui ai fait écouter le titre, juste pour avoir un avis, parce que Michel adore la musique aussi, tu vois. Et il me dit, c'est pas bon, Tisha. Il dit, mais Tisha. Je le vois bien. Mais Tisha, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Mais non. Appelle Staniski. Et donc, du coup, on a retravaillé le titre. Et c'est vrai qu'avec ses conseils, ça a été une baguette magique. Et voilà. Et moi, j'aime ça, en fait. Je dis qu'on est artiste, mais quand tu travailles aussi en équipe comme ça, avec des gens aussi qui aiment la musique, j'aime aussi partager, collaborer avec d'autres personnes. Alors justement, là, on est dans quelle année? On est en 2018. Faut nous parler, ouais. 2018. Ben, 2018. Toujours sous la tutelle, j'ai envie de dire, de Step Out. Non. Cette fois-ci, non. Il y avait vraiment aussi un tournant. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est la vie, hein. Mm-hmm. C'est la vie et c'était, ça a été un envol aussi à ce niveau-là. Et puis c'était aussi une manière pour moi de voir aussi bien de quoi j'étais capable. Autoprod surtout, le clip, la compo, tout. Et c'est une belle aventure en fait. Donc, finalement, si on fait le bilan de cette chanson, de cette époque, faut nous parler, 2018, cet élan en solo, j'ai envie de dire. Ben c'est gros challenge réussi pour moi, gros challenge réussi. À chaque fois que je chante en presta et que j'entends les gens chanter le refrain, je me dis ouais, faut ça fait plaisir. Doudou. Alors justement, en regardant le clip, je me disais, alors ça balance bien, on a justement ce gimmick, ce refrain qui se reprend facilement, évidemment, qui fait qu'une chanson devient un tube, comme on aime bien dire, un succès, un hit. On est sur quel rythme musical? Alors Tisha, c'est un mix. Chanteuse de quoi finalement? De zouk, chanteuse de dancehall, chanteuse de... Oh là là. Alors tu sais, le mot générique où on met tout le monde dans le même panier, c'est musique urbaine. Je ne sais pas. chanteuse de quoi? Je ne sais pas. Non, en fait, si tu veux... C'est très compliqué pour moi de me définir parce que je peux faire de la dancehall, comme les moins capables, les bas moins flé ou gardez moi, même si vous pouvez écouter moi, les moins parler ou dévouer moi, même si vous venez test moi, si vous envie faire gauche, je suis moins willy soif moi, mais baissez les gars en les moins boy. Tu vois, ça c'est l'aspléré. Okay. Alors justement, comme tu t'es lancé, dancehall. Un petit zouk club à la Tisha. Un petit zouk club, ça ferait.
Moi déjà prévois des palais bas, attends. Moi déjà prévois des palais bas, tout ça moins caressant, si bas. Ça qui en tient au moins, c'est tard. Moi paré pour faire vie au moins, oh wow. Là, il paraît, vous maillez. Il n'y a plus de célibataire encore. Bon, je ne veux pas te faire le truc de tout ce qui est bouillade, tout ce qui est tendance en ce moment. En tout cas, on aura compris que tu maîtrises toutes les musiques. Et finalement, le fait d'être caribéenne, le fait d'être guadeloupéenne. J'écoute de tout. J'écoute du Beyoncé, je vais écouter du Patrick Saint-Éloi, du Edith Lefel, je vais écouter du Marshall Montano, je vais écouter. Et puis j'ai vécu à la Barbade aussi, donc à l'époque aussi, c'est une croisée aussi avec plusieurs mélanges, plusieurs styles, soca, dancehall, etc. Donc pourquoi se limiter en fait? C'est ça que j'ai envie de dire. Finalement, quand même, inspiré par qui? Parce qu'il y a toujours un moment où on a vu une chanteuse qu'on a regardée à la télé avec des yeux émerveillés. Quelle chanteuse t'a donné envie me tue, hein. de faire de la Mais musique. Cette meuf, elle me tue en fait, Beyoncé. C'est-à-dire qu'elle a une capacité à... Déjà, pour Beyoncé, à mon sens, si je prends l'international, ce que j'aime en fait, c'est que même si côté superficiel, c'est pas forcément mon dada, d'accord? Mais en termes artistiquement parlant, je trouve qu'elle y va, quoi. Okay. Elle va oser sortir de sa zone... Elle peut monter très très haut dans les notes et te rapper, faire de l'R&B comme elle peut faire aussi de la pop et un peu de dancehall aussi sur son dernier D'ailleurs, album. D'ailleurs, pour ceux qui ont téléchargé le dernier album de Beyoncé vous pourrez voir effectivement Elle est éclectique. Après, elle a une ligne quand même conductrice, mais ça reste quand même une femme qui ose. Et puis, on sait que dans le milieu, être une femme comme ça... Il faut avoir de la poigne. Les États-Unis avec Jay-Z, il y a des moyens. C'est une businesswoman. Donc, donc j'aime beaucoup bien. J'aime aussi beaucoup John Legend. Oh, intéressant. J'écoute du John Legend. J'écoute aussi du Etana. J'écoute un peu d'Etana. En fait, toutes les musiques qui touchent l'âme. En local, je vais écouter... en local, malheureusement, j'écoute beaucoup de personnes décédées. Mais je vais écouter Patrick Saint-Éloi. Ma mère, c'est une fan. D'ailleurs, maman... Mais je crois, de toute façon, tu faisais la réflexion. J'écoute beaucoup de personnes décédées. Mais c'est vrai que la magie, quand même, de cette musique, enfin, de la musique en général, c'est que finalement, quand les personnes partent, malheureusement, ils nous laissent leurs œuvres. Et c'est ce qu'on dit, après, ça devient temporel. Et après, ça peut s'écouter 20 ans après, 30 ans après. Après, ça traverse les générations. Petite, moi, je regardais beaucoup Tania. Ça m'a fait plaisir de l'avoir sur ton plateau. Ah, mais de ouf. Pour la rentrée, Tania. Bah oui, c'est clair. Et bah, petite, je regardais aussi beaucoup. Et d'ailleurs, mon père, photographe, du coup, prenait de temps en temps en photo Tania Saint-Val. Et ne ment pas. Ne mens pas. Quand Pourquoi? Tu me dis que tu aimais beaucoup Tania Saint-Val, tu faisais comme tout le monde. Oui, mais un café avec un Bougizou. Mais oui, Bougizou. Avec le micro qui sort de balai, le miroir. Mais bien sûr. Et je disais à Tania, un jour je serai chanteuse. Petite, je lui disais déjà ça. Elle m'a dit, ma chérie, vas-y, fais. Et voilà. Tu es là aujourd'hui. Et voilà. Faut nous parler 2018, donc transition, tu te lances en autoproduction, tu essayes sans une production, sans les hommes qui te suivaient, qui t'ont suivi dès le début de ta carrière, tu y vas. Et puis il va y avoir quand même une pause. Finalement, ça reste quand même triste, parce que si tu veux, bon, je suis toujours en bonne relation avec Chris. Mais d'ailleurs, à qui je fais un petit coucou. Et coucou puis, à toute l'équipe. À toute l'équipe Step Out, ça reste une famille. Une famille, ouais. Après, tu sais, il y a toujours, c'est la vie, il y a des évolutions. Et puis, à un moment, c'est comme dans une relation de couple, j'ai envie de dire. À un moment, si on sent que on n'a pas forcément les mêmes visions, ça ne sert à rien de continuer. Donc, on a pris d'un commun accord de pouvoir que moi, je folle de mes propres ailes et que lui continue aussi. Mais ça reste quelqu'un que je porte ici et que j'apprécie énormément. Alors justement, 2018, cette transition, il va y avoir quoi justement après? Parce que Tisha se relance, Tisha a des doutes. Je me souviens d'avoir eu beaucoup de discussions avec toi. Finalement, est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est fait pour moi? Oui. Est-ce que ce monde n'est pas un monde fréquenté par un peu trop, on va dire, de requins, pour rester gentil? J'ai toujours été protégée par rapport aux requins. Requins, pas qu'à atteindre moins gros arbres. No shark. Mais disons que c'est vrai que ça peut être compliqué. 2018, disons que je me concentre vraiment sur ma carrière professionnelle dans la communication. Ouais. Donc là, je me lance dans l'entrepreneuriat aussi à mon compte.
Et ben, je fais tout. Je me rends compte que c'était vraiment l'année du self. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est marrant parce que je fais l'émission avec toi et c'est ça que j'aime avec chacun de mes invités. C'est que je redécouvre des personnes que je pensais connaître sur le bout des doigts et je me rends compte que moi, 2018 a été aussi une année de transition pour moi. C'est ça. Ouais. Enfin, j'ai eu plusieurs années de transition, mais 2018, oui. Donc, ouais, 2018, ça a été... Il y a eu une petite opération, un petit virement, un petit truc à 360 degrés. Professionnellement, je parle, ouais, n'est-ce pas? Ouais. Mais c'est vrai, c'est des années assez intéressantes où qu'on retient finalement. Oui, et puis tu fais tes expériences, et puis voilà, donc là, je me suis lancée aussi, et puis j'ai eu aussi l'aide de Candy aussi, à qui je parlais beaucoup à l'époque, et je lui parle toujours, mais pas toujours autant. Mais c'est vrai que à l'époque, ben, tu te lances, c'est tes sous, puisque tu n'as plus la production aussi derrière toi, donc tu comprends. Quand la production te disait « Ah non, mais tu sais, c'est des sous, donc c'est de l'investissement. Derrière, il faut un retour sur investissement derrière, tu vois, voilà. Mm-hmm. » Donc, c'est ces challenges-là. Et puis, je me pose la question, entre mettre 2000 euros sur un projet juste pour un titre, sans clip, OK, et mettre 2000 euros dans ma vie, finalement, voilà. Ça a été vite fait, c'était en fait. C'était la balance, mais il a fallu faire un choix. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai voulu arrêter la musique, ça venait encore plus fort en fait. J'arrête tout, j'en ai marre de ce milieu, j'en ai marre du showbiz. Ah ouais, là tu te dis, finalement, bon, allez, c'est bon, j'arrête. 2022, on y est encore. Tu vois les gens sur scène, tu vas en concert et puis ça t'appelle et puis t'as ça intérieurement et ça renaît et comme là, c'est en train de renaître fort. Et je ne redirai jamais assez. Alors c'est une question, c'est une réponse que je donne souvent quand on me pose la question. Finalement, il n'y a que la passion qui nous anime. Oui, au-delà des années d'expérience, mais la passion. Et heureusement que la passion est là. Le public aussi. Et le public aussi. Tisha dans Before by Rebecca. Allez, on y va, doucement mais sûrement. On évolue, on parcourt ta carrière, ta vie de femme, de coach, d'artiste. On se fait cette nouvelle pause musicale et on revient en plateau. Tout ça m'a déguenée.
Alors c'est ça qui est assez magique dans cette émission, c'est que on évolue d'année en année. D'année en année, puis on revient sur des années importantes. La Splairé, un titre aussi qui avait bien marqué les esprits, qui était assez diffusé. On pouvait voir le clip en télé, écouter cette chanson en radio et puis découvrir la jeune Tisha avec ses cheveux dans les interviews. Je dis les cheveux parce que c'est toujours, tu sais, moi j'invite toujours, et ça on l'aura compris hein, pour ceux qui me suivent, les femmes à un moment à faire justement à faire cette transition et à couper leurs Même cheveux. Une femme qui se coupe reste... ses cheveux, qui se coupe les cheveux, c'est et une femme qui change de change vie. De vie. Hein. Retenez ça, messieurs. Et voilà, retenez ça, messieurs, parce que pour ceux qui disent, mais pourquoi, voilà, pourquoi sont aussi garçons? Non, non. D'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé les femmes à cheveux courts beaucoup plus sexy que les femmes à cheveux longs. Mais bon, voilà. Mais en fait, voilà, on revient sur la carrière de Tisha, on refait quelques pas en arrière pour découvrir Tisha, mais qui est déjà la niaque. Oui. La petite jeune dame qui est censée justement être sur un thème assez douloureux de toutes ces violences faites aux femmes. Et anecdotes, parce que ça, c'est ce qu'on aime dans Before Mary, quand il y a des anecdotes. Alors, logiquement, il y a une scène dans ce clip où tu étais censée être la femme battue. Oui. Mais je crois que l'instinct de survie, l'instinct de femme que tu es. Mais c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire que, de base, dans le clip, en fait, c'est Christophe qui s'appelle, et était censé justement jouer. Le gars qui me donne des coups, qui me bat en fait. Mais sauf que quand il a commencé, mais j'ai eu un regain, mais je sais pas, j'ai eu un regain et j'ai commencé à le bousculer, lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais dans ton rôle. Ah ouais, non, mais j'étais dans mon truc en fait, et le caméraman, donc au-delà de ça, les réalisateurs, dans un dos, ils me disent jamais non-stop, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais t'es censé prendre des coups, t'es pas censé. Je dis, je suis désolée, je peux pas, je peux pas. Donc du coup, j'ai vu qu'il a mis, après dans le montage, il a mis justement la scène où je le bouscule. Là, on est en quelle année? Parce que là, on avait commencé 2015-2018, mais on revient, il là, on est en 2002. Alors, le titre est sorti en 2012. Le jour de la journée internationale des droits de la femme, donc le 8 mars 2012. Et en fait, le clip, il a été tourné en 2011. D'accord, en fait. Ok. Voilà, fin et là, 2011. On est sur le début de ta carrière. Clairement, appareil dentaire. Tu sais que tu vas devenir la Tisha que tu es en train de devenir aujourd'hui ou que tu es devenue? Je me dis, mais qu'est-ce que Chris est en train de faire là? Je me dis déjà, je ne sais pas s'il a réalisé, tellement je n'avais pas confiance en moi à l'époque, je dis... Je ne sais pas s'il a réalisé ce qu'il est en train de faire. Ouais. Parce que, de base, je n'ai pas envoyé de maquette. Je n'ai pas cherché à, tu vois. C'est un choix qui s'est présenté. Ouais. Et on a décidé de faire cette aventure ensemble. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Rebecca, loin de moi, l'idée. Alors, justement, parce qu'on a parlé de ces moments en famille où tu as peur de pousser la chansonnette. Ouais. On parle de papa, d'un papa qu'on voit encore très souvent présent à tes côtés, qui te pousse, qui chérit sa fille, qui aime prendre sa fille en photo, parce que papa est photographe de métier. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu sautes le pas entre justement les réunions de famille où tu as peur pourtant de chanter, et puis la rencontre avec Chris, et puis ta première scène, par exemple. Raconte-nous un peu l'histoire du devenir de la chanteuse Tisha. Bah écoute, j'étais dans une association qui s'appelle le FFE, le Forum des futurs étudiants, Dom Style Connection. Et on avait une assemblée générale d'association. Et toujours, Tisha, tu sais chanter? Tu peux poser la chansonnette? J'en ai dit, bon, si on fait ça, on fait ça, mais on fait ça bien, et on fait ça avec une guitare. Et donc là, j'appelle, donc je lance un message à l'époque sur Facebook. Je dis, je recherche un guitariste. Donc j'ai quelqu'un qui me, Nicolas Attillé, qui répond. Et il me dit, oh, ouais, moi, c'est bon, je peux faire ça. Bon, OK. On se voit 10 minutes avant l'Assemblée Générale. Là, je chante juste pour faire une transition interlude, etc. D'ailleurs, Axel était dans cette association. Axel, elle parle voilà, ton petit frère dans l'association. Et l'équipe, ben justement, Axel, tout ça qui sont derrière la caméra, Willow, tout ça, etc. Ils filment. Et je me retrouve sur YouTube. Mais j'étais pas au courant. Et puis en plus, on sait qu'à l'époque, on commence justement sur ces buzz qui lancent une carrière. Mais où, il suffit que ça soit partagé, que les personnes apprécient sur Internet. Et tout d'un coup, j'étais tu deviens chanteuse. J'étais pas au courant. Je me connecte sur mon profil. Je vois un tel vous a tagué, un tel a machin, partage. Je vois le nombre de 100 partages. Je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et c'est là que je regarde. Je vois deux vidéos. Et je me connecte à Facebook. Je reçois un message. Salut, c'est Chris.
Salut, c'est moi. Salut, c'est Chris. Ouais, Chris Dansalking à l'époque. Son compte. Kim, ah, tu Kim Dansalking, je dis quoi? Hein? J'ai dit, mais non. Ah ouais, non, mais je dis, mais il s'est trompé. Je dis, il s'est trompé. Il me dit, voilà, j'ai vu ta vidéo. J'aurais aimé qu'on je recherche une chanteuse. Même pas à l'époque, même il pas. M'a dit, j'aurais aimé qu'on se rencontre. Il y a quelque chose que tu dégages et tout. Donne-moi ton numéro. Alors, je lui dis, quel faux compte déjà. Et au final, je lui donne mon numéro. Il m'appelle 3 jours après, le gars. Donc, t'imagines, 3 jours en stress. Bon, voilà. 3 jours après. Et après, il me dit, bon, voilà, oui, est-ce qu'on peut se rencontrer et tout. Et pour la petite histoire, Chris a rencontré mes parents. Oui. C'était important, en fait, de pouvoir faire cette transition-là, de sortir de l'anonymat, mais d'avoir aussi l'autorisation et surtout le consentement, en fait, de mes parents, parce que ma vie allait dans un sens changé, quoi. Tu as comptabilisé à peu près. Alors, est-ce qu'il y a eu, donc, il y a eu des albums? Oui, il y en a eu un seul. Il y a eu un seul album. Ouais. Il y a eu quelques singles, quand même. Oui, il y a eu Célibataire, il y a eu Las Plairé, il y a eu Faut nous parler, il y a eu Mélanger, il y a eu Wine So Sweet, il y a eu Born New Music. Oh, Wine So Sweet, Wine La So... La fille a deux, y a trois eu titres. Music, là, ouais, on est sur quand même un beau petit catalogue. Quand ah même. Ouais, là, ça fait 6. Et je pense que j'en oublie aussi parce que j'ai des collaborations que j'ai pu faire. Donc, ouais, c'est, ça fait un petit ouais. Et finalement... Un album, 12 titres, un album quand même. 12 titres quand même. Ouais, ouais. Finalement, alors ça, c'est assez marrant que je te pose la question à toi, parce que je me souviens d'avoir voulu poser la question à un invité qui t'a précédé sur ce plateau de Before by Rebecca. Mais comme je connaissais la réponse et que la réponse aurait pu être un peu crue, je lui ai dit, bon, je n'irai pas lui demander pourquoi à l'époque il avait choisi le surnom de Fuck Lee, n'est-ce pas? Mais justement, toi, est-ce que c'est à ce moment-là que, bah, que l'artiste Tisha est effectivement aussi naît, finalement? Même pas. Prend naissance. En fait, bah, si tu veux, j'étais déjà Tisha avant ça. Oui, et tu vas jamais deviner qui m'a dit Tisha. Alors, je t'explique. Je t'explique. En fait, à l'époque, j'étais en underground. Donc, l'underground, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le circuit hors commercial. Et donc, du coup, j'enregistrais mes chansons au Madakartel Records, à qui je fais un gros bisou pareil. Et j'envoie mes titres à Dali. Sur MSN à l'époque. Okay. Donc, j'étais en contact avec Dali, Métis. Enfin, j'étais déjà un peu dans le circuit, si tu veux. Et Dali me dit, tu sais, Tisha Bean, c'est restrictif. Hein. Faut changer de nom. Et je lui dis, mais non, moi j'aime mon nom. Mais tu vas pas sortir de où tu es là pour me dire, de changer mon nom, tu vois. Je lui dis, non, moi j'aime mon nom. Il me dit, ah non, non, toi ce serait mieux Tisha. Et il écrit Tisha, T-I-S-H-A. Et je lui dis, c'est la meuf qui veut toujours. Comparaison, contradiction. Pas Tisha comme ça, je l'écris T, trait d'union, S-H-A. Ah, et deux A, voilà. Pour bien emmerder, pas que Dali finalement, mais le monde entier, vous l'aurez compris, Tisha, hein, parce qu'elle m'a bien dit, l'artiste existait déjà, donc voilà. Oui, c'est comme un ça que c'est. Comme dans ça Before by Rebecca, je pense que tu l'as déjà dit dans quelques interviews. Non, c'est la première fois. C'est la première fois, en tout cas, que toi et moi, au-delà de nos longues conversations autour d'une petite coupette de champagne ou au restaurant ou sur les réseaux sociaux, vous aurez eu ce scoop dans Before by Rebecca ce vendredi 14 octobre. Tisha, nom d'artiste, donné par Dali, inspiré, créé par Dali. Non, mais c'est intéressant parce que justement, tu parlais de ce lien qui peut exister entre les artistes. Mais il y a un lien. Et finalement, c'est une famille. On se connaît. C'est pour ça que Glenn de Mundica Sotti, de Laio Sotti, qui font une espèce d'ambiance de rivalité. Je parle de ça tout le temps avec Dasha. Tu vois, Dasha, elle est en or, cette femme, tu vois. Et je lui parle de ça tout le temps. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'au final, bon. C'est vrai que c'est un business, tu vois. Mais derrière, il y a un seul amour, celui de la musique. Et quand on se retrouve en répétition avec les musiciens, pour moi, les musiciens, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre artistes, musiciens, etc. C'est une seule famille. Et partager ça, en fait, c'est beau, quoi. Donc, mais je pense que c'est aussi une question de passion, je pense. De non, passion je ne veux et de... Pas mon mot, voilà. S'il te plaît. Tu es écoute, il faut mettre ton copyright. Passion, détermination, ce sont mes mots. Passion, détermination, c'est beau ça. C'est beau ça. Je vais le mettre dans une chanson. Badass, Tisha, dans Before by Rebecca. On reste en musique parce qu'on parle aussi bien de coaching. Enfin voilà, on mélange le truc. Vous avez vraiment remarqué, hein, on parle de la carrière de l'invité, mais en même temps, on place deux petits trucs de développement personnel parce qu'on a besoin d'avoir ces inspirations, on a besoin d'aller bien.
Le monde a été un peu cruel avec nous ces derniers temps. Et on sait, on voit autour de nous qu'on trouve quand même un peu les gens un peu... Moi, je les trouve un peu aigris en ce moment. Des fois, je le dis souvent. Je ne sais pas si c'est le temps, le fait qu'il pleuve tous les week-ends. La lune, parce que nous étions justement en pleine lune en plus, encore cette semaine, enfin en tout cas le week-end dernier, dimanche dernier. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, mettez de la musique, de l'amour et plein de bonnes choses dans votre cœur. Suivez Before by Rebecca le week-end. Et on se refait cette pause musicale et on revient en plateau avec Tisha. Laissez-moi danser. En plus, c'est bien parce que nous sommes en plus dans le week-end. Alors, pour vous qui avez vos programmes entre vendredi soir et puis pour tout le week-end, samedi soir, on ne vous rappellera jamais assez d'être prudent, surtout sur la route, d'être prudent même quand vous fêtez. On sait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. En tout cas, voilà, week-end, mêlez-moi danser. Il y a tellement de choses à dire, finalement, sur cette période. J'en peux plus. J'en ris. Et je... Ouh. Alors, tellement de choses à dire sur cette période. Alors, on a dépassé 2015. Nous avons vu dans le clip un feat avec... Alors, moi, je vais l'appeler volontairement et je l'assume et je lui parle en face, droit dans les yeux. Papa Chris. Oui. Parce que là, pour le coup, c'est le daron.
On salue la famille Carcasse, Cédric et toutes les personnes qu'on a pu voir dans le clip. On salue le Gumbo All Star, le fameux grand groupe La Pointe, de Pointe-à-Pitre. Ouais. On fait un petit coucou à nos frères caribéens de la Barbade où tu as vécu. Oui, là, on voit bien avec la petite coiffe et tout du crop over. Yeah. Exactement. Crop over. Je raconte une anecdote. Il y a une anecdote. rapide. Before Mary Rebecca. Le clip est dénoncé. C'est. Il y a Gumbo, il y a les strass et paillettes, etc. C'est que là, je pense que je vais recevoir un appel de Chris. Et je ne l'ai pas encore invité dans l'émission. Alors, non, mais il est gentil. Il est gentil, il va m'appeler avant. et en fait, y avait justement les costumes et tout, mais moi j'avais mon costume de Barbade, de base. Et on sait que le costume de Barbade. Pour info, Chris, quand j'étais à Step Up, il regardait mes réseaux sociaux. Tu vois, un producteur se doit de regarder ce que son artiste poste. Et une fois, j'ai mis une photo. Tu parles de producteur, moi j'ai bien dit papa Chris. Ah non, mais j'ai mis une photo en mode bikini, machin, nanana, où est il m'a appelé. Mais c'était où là? Tu fais quoi? Je dis, mais je suis à la Barbade, crois pas. Elle me dit quoi? Je dis, carnaval de Barbade. Elle me dit, bon, mais écoute, amuse-toi. Mais c'était qu'à l'époque. Ouais. Alors, il faut rappeler le contexte. Là, ça s'est fait, mais les moins dansés, c'était bien après en 2016. Mm-hmm. Mais à l'époque où j'ai posté la photo, j'étais en 2013, tu vois, 2013. Mm-hmm. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas autant sur les réseaux sociaux de femmes qui se mettaient en bikini. Et c'est vrai que d'ailleurs, on le voit. Alors, ça me permet moi, de faire une transition. Ouais. C'est qu'on le voit chaque fois que Madame Rihanna, elle vit comme une vraie caribéenne qui s'assume. Et dans la vie d'une caribéenne, il y a cette période de carnaval. On le voit chez nous. Mais il y a des pays de la Caraïbe où chez eux, voilà, on se permet de se lâcher. C'est un défoulement. On remarque quand même que chez les francophones, il y a quand même un petit malaise par rapport à... Oui, mais même la façon de danser, elle est un peu... Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai vécu un an là-bas. Donc, je dansais d'une certaine façon. Les fameux mets à tes fesses en l'air. Comment on appelle ça déjà? Mets à tes fesses en l'air, non, c'est walk up. Voilà, un jour on ira. T'inquiète. Je pensais que tu voulais faire une démonstration en fait. Non, on va rester sage. Pas là. Il y a trop de gens qui regardent, Rebecca. Mais c'est vrai que quand je suis revenue, forcément les musiques de là-bas que j'entends, quand je les entends en soirée, je me mets à walk up. Ouais. Et là, je me dis, mais mess. Parce que c'est tout à fait. Je suis pas. C'est culturel, on va là-bas. Dire. Ouais. Ouais. Et en fait, tu sens les regards sur toi direct. Maintenant, ça a changé. Oui. Les gens se sont habitués. Et puis, les gens partent aussi avec les French Soca Lovers qui font un vrai travail, tu vois. Donc, les gens vont voir le carnaval de Barbade, de Trinidad, de Sainte-Lucie, de Dominica, tu vois. Donc, ils partent, ils voient. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Mm-hmm. Donc, tu arrives, tu dis, mais comment. C'est que Gaza, ça. C'est la petite anecdote. Alors, justement, mais ça nous permet quand même d'aborder un sujet qui est assez intéressant parce qu'on parlait justement de ce monde d'hommes dans lequel les femmes ont un peu du mal à faire leur place. Et puis finalement, alors, toi, produite par un homme qui a quand même des idées un peu strictes, quand même, parce que je pense que tu as d'autres producteurs qui t'auraient laissé un peu aller être un peu, on va dire, dans le style à la Bambi. Disons qu'il était très protecteur, en fait. Ouais. Il voulait. Mais je peux comprendre, parce que l'image, c'est vite. Voilà, surtout quand tu es une femme. Donc forcément, à l'époque, il n'y avait pas encore justement Bambi et toutes les autres qui peuvent, voilà. Mais c'est vrai que ce n'était pas vraiment cette tournure-là qu'on voulait donner à ma carrière. Okay. Donc je peux comprendre. D'accord. Mais en même temps, il y a un petit côté chez moi. Mais c'est ça, le truc. qui aime alors, ça, je voulais te demander, mais qu'en penses-tu finalement de la place de la femme dans le milieu du showbiz et de la musique? Est-ce que, entre guillemets, assumer son corps, ça peut aller avec justement une carrière musicale bien ficelé. Mm-hmm. Est-ce qu'au contraire, toi, tu es plus pour celles qui doivent un peu plus cacher des parties qui pourraient déranger? Dis-moi tout. Moi, je suis pour celles qui s'assument. Mm-hmm. Parce que... Je sens que ça va m'intéresser. Parce que, dès lors, pour moi, ton corps t'appartient. Mm-hmm. D'accord? Si tu es en accord avec et que c'est toi qui décides, pour moi, il n'y a pas de souci. Pas de souci. S'il y a d'autres personnes derrière qui te disent, bon, mets ça, etc., et que tu te sens forcée, là, pour moi, il y a un problème. C'est ça la nuance, en fait. Tu vois? C'est ça la nuance. Et donc, du coup,
J'écoute, hein, j'écoute Spice, hein, par exemple. Ouais. Hein, je ouais, kiffe, Spice, des fois, je... Même Spice, ouais. J'écoute, je vais écouter du Sean Sia, par exemple, tu vois. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des femmes de mauvaise vie, etc. La femme, aujourd'hui, elle est totalement libre de son corps, de ses choix, elle a des droits, OK? Donc, si c'est elle qui maîtrise son image, je suis OK. Mais si c'est d'autres personnes qui... Là, j'ai un petit peu plus de mal. Là, nous sommes en plein coaching privé dans ce Before by Rebecca avec Tisha, parce que je vous rappelle effectivement que Tisha, au-delà d'être une artiste, qui va relancer sa carrière, parce qu'elle a des projets sur le feu. Je ne peux pas en dire elle plus. A envie, elle ressent le besoin de remonter sur scène et d'enregistrer de nouvelles chansons. C'est en cours. Mais en ce moment, tu te consacres... à faire évoluer la vie de toutes ces badass. C'est ça. Alors justement, badass. Badass. Je me dis, mais qu'est-ce que ça, badass? Badass en mot anglais. Déjà, avec mes influences de la Caraïbe et tout, c'est naturellement que j'ai pris ce mot-là. Et badass veut dire dur à cuire. Mais lorsque tu dis, you are badass, ça veut dire que meuf... Tu fais, tu alors, vois. You were badass, Rebecca. On dit des fois, alors il y a le truc un peu bad bitch. Un peu oui, bad bitch, yes. Mais tu vois, ça, c'est vraiment être dans l'action et se dire, OK, je veux ça. Je ne l'ai pas encore, mais je vais me mettre en condition pour pouvoir l'avoir et faire en sorte de l'avoir. Et même si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave, je peux tomber. Et si tu veux, ce que j'aime dans ce concept-là, c'est surtout le côté résilient, en fait. Et ça me ressemble. C'est-à-dire, tu tombes, tu te fais mal. Mais tu te relèves. Tu pleures. Hein? T'es caca, comme on dit, on caca sa tête là. Mais à un moment, tu te dis, mais non, faut que je me réveille. C'est une badass. Faut que je... Voilà. Et c'est ça, en fait. Et lorsque j'ai fait, justement, Parole de badass, à l'époque, pendant le confinement, le dicton, c'était sortir du statut de victime pour passer de victime à badass, en fait. Et ça, c'est un mindset, en fait. Et c'est ça que je travaille en coaching pour, OK, on arrête d'être des victimes. Quelle est ta responsabilité dans ce qui t'arrive, même le pire? Quelle est ta part de responsabilité? Et à partir du moment où tu comprends ça, t'arrêtes de te plaindre. C'est ça. Elle n'est pas que chanteuse. Elle nous revient avec de nouvelles choses très bientôt. Elle ne peut pas tout dire, mais elle reviendra bien sûr dans Before by Rebecca ou bien sûr Éclair TV. C'est clair. Pour parler de ses nouveaux projets musicaux. Je vous rappelle les horaires de diffusion de cette émission sur Éclair TV ce vendredi 14 octobre, 20h30. Mini 30, 20h20 en fait, ça a changé. On a passé à 10 minutes d'avance. C'est pour la première émission inédite. Le samedi, diffusion de Before by Rebecca à 20h, toujours sur Éclair TV. Le dimanche, alors c'est posé dans le canapé peinard, parce qu'il y a deux diffusions, aussi bien à midi qu'à 21h30. On se fait une dernière pause musicale. On revient en plateau pour finir de discutailler avec Tisha. Et puis après, ce sera le moment de se dire au revoir, parce qu'une heure, ça passe très 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 vite.
partout dans le monde entier. Musique c'est médicament, c'est principalement les cafés nous penser. Musique qui café nous semble, les cafés qui nous vibre. Alors, je me souviens, à l'époque où j'ai découvert ce clip, de m'être dit comme ça. Tu sais, c'est un truc spontané qu'on a quand on parle créole, c'est m'en fous en moins. Parce que là, on est quand même sur. Alors, vous l'aurez remarqué dans les images, alors déjà une chanson qui, en plus, à mon sens, n'a pas été. Voilà, il y a eu une promotion assez timide parce que je pense que cette chanson aurait pu faire un peu plus de bruit. Surtout qu'une jeune artiste comme Tisha, avec sa jolie voix, aussi bien entourée, puisque vous avez pu reconnaître dans ce clip Missy Sadik, Jacob Desvarieux. Je salue aussi Yann Kala. Je salue alors, toutes ces personnes, Mr. Frankie, à la réalisation Slas. Ouais. Lourd. Qu'est-ce qui est passé? Parce que ça lourd. Ça loue. Nous sommes dans quelle période là? Ah là, on est en 2000. Rebecca. On est en 2016. Ouais, 2016. Ouais, juste avant la sortie de L'amour pour vivre. Ouais, ouais 2016. C'est le seul album qui est sorti pour le moment de la carrière de Tisha. Quand Chris. Non, mais il faut le dire. Alors, tu sais, alors là, je tiens à le dire. Alors, déjà, parce que ça va te permettre de te mettre au travail et de sortir d'autres albums. Allez, on prochaine fois, on fait disque d'or. Prochaine fois, on fait disque d'or. Et voilà. Puis, non, t'inquiète pas, même si j'avais dit Tisha a 15 albums, mais ça aurait quand même fait quand même bizarre, hein, parce que moins de 10 ans de carrière, 15 albums. Oui, oui. Voilà, je sais que tu peux être assez. Prolixe, mais quand même. Non, donc. Non, mais c'est. L'album. Tu me coaches. Avec quelques singles. On est sur une douzaine de singles. Et alors, non, mais là, c'est la vraie question. Il faut qu'avant que nous rendions l'antenne, il faut quand même que tu nous dises comment se passe l'annonce. Chris qui t'appelle et qui te dit bon, écoute, on a une chanson. Oui. Et puis tu vas la faire avec. Alors, déjà, mais c'est sadique, parce que c'est quand même pas rien. Oui. On salue justement Michael. Et tu as quand même la voix et la guitare. Oh, non, mais c'est... Et puis, il y a le petit son aussi qui fait un peu cassave à un moment, justement, oui, on l'entend très bien. Voilà, Jacob, alors, raconte-nous déjà, ce Jacob, moment de ta vie. Déjà, j'étais pas là. J'étais pas là. J'étais à la Barbade. Mm-hmm. Et Chris m'appelle, il me dit « Devine avec qui je suis ?» Je ne sais pas, t'as qui ? Et il me fait une photo et il me montre Jacob. Je dis « Non, mais qu'est-ce qu'il fait là ?»« Ah oui, tu feras un feat avec Jacob Desvarieux. » Je dis « Mais il a accepté !» Mais c'est… Il dit « Mais oui, mais oui, c'est de moi dont tu parles. » Oui, voilà, je me suis dit c'était pour Mimi, justement. Non, pour Michael, ouais. Michael et tout, pour Sadik. Voilà, mais c'est Sadik, voilà. Et j'ai dit « Mais voilà, c'était pour lui et tout. » Et il me dit « Non, on est chez Frankie, on est en train de faire les guitares, etc. » Donc, c'est Chris qui avait négocié ça. Et la petite anecdote, c'est que le clip qu'on vient de voir, je n'ai pas osé demander une photo. Alors, ça veut avec dire Jacob. Que tu fais ce titre avec le grand Jacob Desvarieux et à aucun moment tu dis au gars. J'étais hyper intimidée. Laisse-moi te dire quelque chose. Allons faire un selfie. Mais c'est cassave, Rebecca. On est là. Et puis il est super simple. Il est là avec sa guitare. Rien ne l'embête. On lui fait marcher dans les champs de Cannes. Rien ne l'embête. Le gars, il est OK, quoi, tu vois. Et oui, pour la petite anecdote, j'ai pas pu avoir ma photo avec lui. Et quand il est décédé, je me suis dit mince, j'ai aucune voilà. Et donc j'ai récupéré un screenshot du clip. Écoute, en même temps, le clip existe et puis tu l'as quand même bien rencontré. Passé, et vous avez collaboré ensemble et puis ça nous permet de faire âme. Un petit coucou et d'avoir une belle pensée vraiment. Pour Jacob qui nous manque tant. Et qui aidait aussi les jeunes talents dans le côté, tu vois, il aurait pu dire non. Mais en tout cas, qui aimait sa musique, et puis en tout cas, pour mais le bien voilà, de notre musique. Il accompagnait, il cassait le fait, en fait. Donc, ça, c'est sympa. Voilà. Mais un titre, moi, j'aimerais bien, justement, sur le prochain album, le deuxième de ta carrière, parce qu'il va y avoir un deuxième album. Je sais pas, une petite réédition, tu appelles ton ancien producteur, tu lui demandes les droits, et puis on rebalance la sauce. Allez. Non, on s'entend bien. Soyons fous. Why not? Badass ou pas badass? Chiche. Chiche.
c'est dit, en tout cas, dans Before by Rebecca avec Tisha. Alors, Tisha, on a passé un peu plus d'une heure avec toi. On a revu un peu voilà, cette carrière qui a commencé dans le tour de 2011. 2022, un peu plus de 10 ans. Il va falloir faire aussi ce live que les artistes aiment bien faire, tu sais, aux 10 ans de carrière, aux 15 ans de carrière. C'est vrai que ça... Écoute, j'ai compté, c'est dans ma mémoire. Que ça fait 10 ans de carrière déjà. Petite pause donc dans cette carrière, mais tu reviens avec des nouveautés que tu ne peux pas dévoiler pour le moment. Non, mais ça pas veut encore. Dire que l'écriture est, est plus faite. Que présente. 2020 était une année très, voilà. très Tu as profité très du confinement productive pour écrire. Produire, pour écrire. Ouais. Restez connectés sur Éclair TV, sur Éclair FM. Il devrait y avoir de la nouveauté avec Tisha, coach. Coach, yes. Prochaine actualité dans ton coaching? Ben, j'ai un événement qui arrive. Alors déjà, j'ai le programme 30 jours pour briller qui va redémarrer le mois prochain. Mm-hmm. Donc ça, il faut me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux donner ton adresse Instagram. C'est Tisha Official. Official. Donc je pense que ça peut... Allez, bon, ne donne pas trop de boulot aux réalisateurs. Vous tapez Tisha sur Instagram, T-S-H-A-I, vous allez me trouver. Official. J'ai une photo rouge, vous allez me trouver. Et donc, c'est un programme où j'accueille des femmes pour pouvoir, pendant 30 jours, on travaille sur le self-esteem, on travaille sur le charisme, on travaille sur la confiance en soi, mais on travaille surtout sur la reconnexion à soi et à ce qu'on veut vraiment là. Donc, si vous vous sentez dans un virage, un tournant, ce programme, il est fait pour vous. Et j'aurai une conférence que je vais faire le 3 décembre, lieu tenu secret. On voit ça sur les réseaux sociaux. Qui sera sur comment rebondir après un échec. On en reparlera. C'était le Before by Rebecca de Tisha en ce vendredi 14 octobre. Je vous rappelle que vous y êtes, vous venez de voir l'émission en direct. Mais deuxième diffusion, en tout cas à 12h30 le vendredi. Diffusion tout le week-end et puis avant que l'émission après parte comme ça sur Internet, tu sais. C'est magique chez nous. On attend les retours, justement. J'attends les coups de fil que tu vas recevoir. Je t'ai vu avec Rebecca. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite, parce que je sais aussi que tu travailles. Rebecca. Tu travailles dans la communication, tout que tes fait. Journées sont remplies. que tu cours réunions, projets, tout ce qui s'ensuit. Beaucoup de réseaux sociaux. On aime suivre aussi tes aventures sur Insta. On te dit aussi un peu influenceuse. Hein, c'est le mot, on va dire, un peu tendance. Tisha dans Before by Rebecca. Je vous souhaite un bon week-end. On ne rappellera jamais assez prudence. Gros bisous et je vous dis à très vite. Tout